Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le 20h de la télévision de Burkina. Au sommaire de cette édition, les acteurs de la justice burkinabè cherchent des réponses à la recrudescence de la justice privée au pays des hommes intègres. Actes de violence ou actes de rejet de la justice institutionnelle, le débat a été lancé ce matin à Ouagadougou. Nous ferons un tour dans les Hauts-Bassins pour le constat de l'évolution de la campagne agricole qui s'installe. La situation est relativement acceptable dans l'ensemble. Nous ferons le point pour vous dans ce journal. Et puis, la communauté internationale appelle au retour d'un processus démocratique en Égypte suite à la destitution du président Morsi. L'Union africaine, elle a tout simplement suspendu l'Égypte de l'Organisation panafricaine. Bienvenue à tous à ce journal et merci de nous suivre. Les actes d'autojustice font légion au Burkina depuis quelque temps et cela au détriment de la justice institutionnelle, une situation qui interpelle les acteurs de la justice burkinabè qui cherchent les causes de ce phénomène. Le Centre d'études judiciaires et l'Association des jeunes avocats ont trouvé le cadre d'une conférence publique pour mener le débat. Recrudescence de la justice privée, acte de défiance ou rejet de la justice institutionnelle, c'est le thème de cette conférence qui a réuni personnel judiciaire, police judiciaire, mais également société civile ce matin à Ouagadougou. Moumouni Soubega. Les lynchages publics, le vandalisme et la violence sont des moyens auxquels certains citoyens font recours pour se rendre justice au Burkina. Appelé aussi justice privée, le phénomène prend de plus en plus une proportion inquiétante. Et à la question de savoir si cette recrudescence est un acte de défiance ou un légitime rejet de la justice institutionnelle, le Centre d'études judiciaires et l'Union des jeunes avocats du Burkina sont à la recherche des réponses à travers cette conférence débat. Si vous êtes auteur d'un accident aujourd'hui, avant même qu'on ne sache qui avait raison, qu'est-ce qui s'est passé, si vous ne prenez pas vos jambes à vos coups, ben vous faites lyncher sur le champ, ce qui n'est pas acceptable. Et donc, il faut que tout cela s'arrête. Il y a un nouveau type d'incivisme, d'insécurité qui se pose à notre société et qui est caractérisé par la justice privée. Et nul n'est à l'abri de la justice privée. Et donc, nous sommes convaincus que si la justice privée prend de l'ampleur, c'est qu'il y a une explication à quelque part. Au département de la justice, la question préoccupe également les principaux responsables qui saluent la tenue de ce cadre d'échange. Il faut que la société redonne confiance à la justice. Et d'autre part, il faut que la justice sache également mériter cette confiance en basant ses décisions sur la règle de droit, en s'abstenant de baser ses décisions sur toute autre considération. Je pense que en procédant de cette façon, ensemble, concomitamment, nous pouvons avoir plus de chances de ramener les pendules à l'heure. À cette conférence animée par Abderrahmane Poli, premier président de la Cour de cassation et appuyé par Diakonia, magistrat auxiliaire de justice, police judiciaire, société civile et représentants d'institutions sont appelés à diagnostiquer la situation et prendre des résolutions pour rétablir la confiance entre la justice et les justiciables. Et pendant ce temps, à l'université de Ouagadougou, on fait l'état des lieux des droits humains au Burkina Faso aux étudiants juristes. Question de mieux les préparer pour la promotion des droits de l'homme. La sensibilisation est menée par la section estudiantine du MBDHP. Abdoul Rasmane Zongo. Sommes-nous en droit de penser que le droit est-il toujours droit à tous les endroits ou à certains endroits? La question fixe l'attention au sein des universités publiques de Ouagadougou à travers la section estudiantine du MBDHP du Kadiogo, organisatrice des 72 heures axée sur les droits humains au Burkina Faso. Il s'agit de faire un coup de projecteur sur l'état des lieux des droits humains, sans oublier le volet sensibilisation et promotion. Organisant ces 72 heures-là, ça dénote effectivement notre intérêt au niveau justement de l'université de Ouagadougou en tant qu'étudiant, d'avoir aussi une opinion sur la réelle effective des droits de l'homme sur le campus en Haïti. Est-ce qu'aujourd'hui, et au regard de la situation nationale, est-ce qu'à l'université de Ouagadougou, effectivement, la question des droits de l'homme est effectivement respectée? Et je pense que ces 72 vont nous permettre d'avoir une opinion, parce que quand vous regardez les différents acteurs que nous tournons, notamment le thème, un certain nombre, il y a dit d'acteurs, ils vont peut-être nous situer un peu sur la question des droits de l'homme au niveau de l'université de Ouagadougou. La question des candidatures indépendantes s'invitera également au cours des activités.
au niveau du comité MBDHP, en tant que structure dépendante du mouvement burkinabé des droits de l'homme, nous pensons que cette occasion va nous permettre davantage de réitérer cette information et mener cette campagne auprès des militants et auprès de tous ceux qui vont effectuer le déplacement à l'occasion de la visite de nos stands en Rétlin. Et en même temps, c'est des débats qui seront ouverts pour permettre et convaincre et aller dire en tout cas la pertinence de la question des candidatures indépendantes. Cette initiative des étudiants juristes vise globalement à encourager le recommandable et à dénoncer le blâmable en matière de droits humains. La grossesse chez les adolescentes, c'est le thème de la célébration de la Journée mondiale de la population prévue le 11 juillet prochain. En prélude à cette commémoration, l'association Burkinabé pour le bien-être familial a initié un débat au profit de la jeunesse sur les conséquences néfastes des grossesses précoces et non désirées. La conférence publique a été organisée avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour les populations. Wendata Nathalie Kaori. Des différentes communications données lors de cette conférence, il ressort que plus de 59% des jeunes filles de 15 à 24 ans ont eu leur premier rapport sexuel avant 18 ans, contre 23% chez les garçons. À ce titre, les adolescentes contribuent à 11% au taux de fécondité générale chez les femmes burkinabées. Cette situation va de pair avec un nombre élevé de grossesses précoces et non désirées, dont les conséquences sur les plans social et éducatif sont énumérées ici. Voilà la stigmatisation qui est le rejet, l'isolement, le mépris de la jeune fille. D'abord par sa famille et par ses frères et sœurs, ses amis, ses camarades d'école ou de quartier. Et quelquefois même on remarque que même les garçons se moquent de ces filles comme si elles avaient bu l'eau pour avoir la grossesse. C'est avec beaucoup d'attention que les adolescents, mais aussi les parents, ont suivi cette conférence. Ce cadre leur a permis d'apprendre davantage sur les grossesses non désirées et précoces, mais aussi de pouvoir situer les responsabilités face à ce phénomène. Les parents ne doivent pas rejeter les jeunes filles en grossesse, parce que souvent, ça a été lâché, ça n'a pas été par leur consentement, pour permettre aussi l'insertion familiale de ces jeunes filles. Après cette conférence, vraiment, je suis prêt à m'engager pour sensibiliser également mes frères et mes sœurs à avoir un comportement plus stable et pour pouvoir vraiment éviter les GNG, les grossesses non désirées, je vais dire. Il y a plus maintenant de grossesses non désirées qu'avant. Il faut plus de la rigueur et le dialogue dans l'éducation. Et au niveau de l'éducation, s'il y a le dialogue, ça va aller. Dans les ménages, on devrait favoriser l'échange entre les parents et les enfants par rapport à leur vie sexuelle. Instaurer la communication entre parents et enfants sur la sexualité, c'est aussi une des principales solutions proposées par les panélistes pour réduire les cas de grossesse non désirée et précoce chez les adolescentes. En plus de cela, il propose la promotion de l'abstinence dans l'éducation des adolescents, la censure des programmes de télévision non adaptés à leur âge et même l'interdiction des téléphones portables. C'est à ce prix que l'on pourra, selon eux, diminuer significativement le nombre de grossesses précoces et non désirées qui constituent une porte ouverte aux IST, dont le VIH. Le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation veut prévenir les catastrophes causées par les changements climatiques au Burkina Faso. Le dialogue permanent avec les responsables communaux sur les voies et moyens pour parer au plus urgent durant la saison des pluies est l'option du CONASUR, la rencontre annuelle d'échange avec Eleonore Ouedraogo. L'affirmation est de l'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour les changements climatiques et les conflits. Les changements climatiques au Burkina Faso ne se traduisent pas par une réduction des précipitations, mais par leur plus grande imprévisibilité. Et l'accroissement des catastrophes environnementales et climatiques, l'aggravation de la prévalence de la malnutrition et l'insécurité alimentaire sont entre autres les imprévus causés par ces changements climatiques. Des phénomènes que la CONASUR veut désormais prévenir avec cette rencontre d'échange et d'information avec les maires des communes du Burkina. Les experts indiquent que certes, il y aura une bonne nutrition, il y aura certainement un niveau acceptable, mais il est possible qu'il y ait beaucoup de dégâts en termes de violence, en termes de vent sauvage. C'est pourquoi les maires qui sont les acteurs loups, qui travaillent de façon directe avec les populations, sont les bienvenus
pour aller transmettre les messages de prudence et de mesures à prendre afin que, si le risque devait arriver, que les conséquences soient amoindries. Pour son adaptation au changement climatique, seul gage de survie, le Burkina Faso a bénéficié de l'appui du programme des Nations Unies pour le développement à travers le programme national d'adaptation à la variabilité et au changement climatique. C'est une action concertée entre les différentes structures qui participent à la prévention des catastrophes. La première mesure, c'est l'information. L'information est une mesure très importante. Deuxièmement, en termes de moyens, comme vous l'avez entendu, on a mis à disposition les moyens qui permettent de faire des prévisions. Les stations météorologiques qui permettent de donner l'information aux producteurs sur quand est-ce que la pluie va s'installer, quand elle va se clôturer. 200 maires de communes des 45 provinces du Burkina Faso sont attendus à cette 6e rencontre d'échange sur les prévisions saisonnières. Les étudiants de l'unité de formation de la recherche en sciences juridiques et politiques de l'Université Ouagadougou réclament le report des examens de la première session de l'année académique. Prévue pour se tenir du 15 au 31 juillet prochain, les étudiants demandent que les examens soient renvoyés en septembre. Ils ont choisi le sitting pour se faire entendre, mais la présidence de l'université reste ferme. Le calendrier va être respecté. C'est ce qui ressort de la conférence de presse qu'elle a animée. C'est Sylvestre Bda. La première session des examens à l'UFR et JP, l'unité de formation et de recherche en sciences juridiques et politiques, prévu du 15 au 31 juillet 2013, est maintenu conformément au calendrier établi par la direction de l'UFR. C'est la principale information de ces points de presse animés par le président de l'Université Ouagadougou, entouré de son staff. Une réponse aux étudiants qui ont manifesté le 2 juillet dernier par un sitting à la direction de l'UFR, puis à la présidence de l'Université Ouagadougou pour demander le report de la session au mois de septembre. Le président de l'Université Ouagadougou se veut très clair. Aucun report n'est possible pour plusieurs raisons. La première raison pour nous, c'est qu'il n'appartient pas aux étudiants de venir nous imposer des dates d'examen. La deuxième raison, c'est que le calendrier universitaire a été fixé par le Conseil de la formation et de la vie universitaire, qui est la plus grande instance de cette université. La troisième raison pour nous, c'est que chaque fois que les examens ont eu lieu en septembre, on a commencé les cours au plus tôt en janvier ou en février. Depuis 2008-2009, on commence en janvier, février, mars. En 2010-2011, à l'Université Ouagadougou, les cours ont commencé en avril. Ce n'est pas normal. Les étudiants, eux, reprochent globalement au président et à la direction de l'UFR les conditions difficiles dans lesquelles les cours se sont déroulés, le non-achèvement des travaux dirigés et le bref temps de préparation entre la fin des cours le 29 juin et le début de la session le 15 juillet. Le professeur Stanislas Ouarou estime que l'Université de Ouagadougou vit en ce moment une situation exceptionnelle. Des efforts sont faits de part et d'autre, par conséquent, il demande à l'ensemble des acteurs, à commencer par les étudiants, des efforts exceptionnels. La direction a tenu compte de quelques rattrapages prévus pour certains groupes des promotions de TD. Ainsi, la première et la troisième année débuteront leurs examens à partir du jeudi 18 juillet. La deuxième année, le vendredi 19 juillet 2013, tandis que la quatrième année, qui n'est pas concernée par les TD et qui a fini ses cours le jeudi 27 juin 2013, commencera effectivement ses évaluations le 15 juillet 2013. Mieux, la direction a accordé 2 semaines de préparation pour l'examen de la première session. Ce calendrier qui prévoit la fin de la première session le 31 juillet 2013, s'il est respecté, devrait permettre de l'avis du président de l'Université Ouagadougou de tenir la deuxième session en octobre. Ainsi, la rentrée académique 2013-2014 pourra s'effectuer en novembre 2013 au lieu de janvier, comme pour celle en cours. Des étudiants de l'UFR SJP qui, il y a quelques jours, s'essayaient à la plaidoirie, et cela en vue d'une préparation à leur future vie d'avocat ou de magistrat. La fiction juridique mise en place par les étudiants a été remportée par la défense face à l'accusation, et c'était avant qu'elle ne soit rattrapée par la réalité. Seydouzon, Frédéric Etienne Bassenga. Monsieur le jaloux est accusé d'avoir assassiné son ex-épouse, la coquette. L'affaire est portée devant la justice. Mesdames et messieurs membres du jury, cela ne peut en aucun cas justifier l'usage d'une hache, encore moins un meurtre. Il ressort alors une disproportionnalité totale entre les injures proférées et l'infraction commise. Un acte passionnel et un acte intentionnel,
un acte de folie et un acte raisonné. C'est une fiction juridique qui est mise en scène par ces étudiants en droit de l'Université de Ouagadougou. C'est essayer de les doter des éléments de rhétorique, des éléments gestuels, que ce soit leur capacité de persuasion, de conviction. Grosso modo, c'est ce que disait à l'époque Jean-Denis Bredin, il faut trois choses, c'est plaire, émouvoir, convaincre. Et en fait, à travers ce concours-là, c'était essayer de les confronter à cette difficulté de prendre la parole en public. La scène consiste pour l'accusation à plaider pour la coquette et la défense à défendre le jaloux. Après observation des membres du jury, c'est la défense qui remporte la compétition. C'est que le dossier était très difficile pour la défense. Ils s'en sont très bien sortis et ils ont fait ça de manière extrêmement intelligente, c'est-à-dire qu'ils ont construit ça comme de vrais professionnels. C'est-à-dire qu'ils se sont répartis le travail autant sur le plan des faits, du rappel des faits, que sur le plan de la qualification juridique, c'est-à-dire qu'ils ont ciblé exactement les problématiques. Une prestation très émouvante selon le jury, qui en même temps précise, ces étudiants ne doivent pas perdre de vue que la fiction est différente de la réalité. La Fédération des étudiants et élèves pour l'intégrité au Burkina Faso veut faire sienne la question de l'amélioration des conditions de vie et d'études dans les universités. L'une des solutions envisagées pour la FESIBF, ce sont des partenariats avec des associations sœurs de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Mali. Les ambitions de la nouvelle union ont été dévoilées à la presse. Moussaki Jacques Lamissa Tarpara nous en parle. La Fédération des étudiants et des élèves pour l'intégrité au Burkina Faso, FESIBF, nouvelle trouvaille de ses étudiants et ils ont des ambitions. Faire en sorte que leurs droits soient davantage respectés. Ils entendent travailler également à l'amélioration des conditions de vie et d'études sur le campus dans les lycées et collèges. La FESIBF, c'est une nouvelle page. Et cette nouvelle page-là, nous voulons tous écrire une histoire nouvelle pour un étudiant en sécurité, pour un étudiant autonome, pour un étudiant qui ne sera plus bâillonné. Pour un étudiant qui ne sera pas vidé de sa cité universitaire, tout simplement pour avoir revendiqué un certain minimum de conditions de vie et d'études. La FESIBF se donne une vision plus grande. Elle compte établir un partenariat avec des associations étudiantines de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Mali. L'idée est de fédérer les énergies pour mieux réussir la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants en Afrique. Et au niveau de l'enseignement de base, c'est le recrutement régional des enseignants du primaire qui préoccupe les acteurs du système national éducatif et ses partenaires. Une étude de cas qui porte sur le sujet a fait l'objet d'une rencontre de validation à Ouagadougou. Des précisions avec Estelle Judith Assogba. Pour répondre au déficit structurel des enseignants au niveau des régions, les autorités politiques avaient pris en 2003 la décision de procéder à un recrutement régional des enseignants du primaire. Une mesure, accueillie avec joie en son temps, a montré plus tard ses limites dans sa mise en œuvre. L'UNESCO, un des partenaires du ministère en charge de l'éducation, apporte sa contribution à la réflexion sur la question enseignante d'une manière générale, mais et surtout sur le modèle spécifique d'allocation des enseignants développé par le Burkina Faso. C'est ainsi qu'elle a commandité une étude de cas intitulée « La régionalisation du recrutement des enseignants au Burkina Faso, une réponse au défi de l'allocation des enseignants aux écoles ». L'étude a été réalisée par un consultant indépendant. Si vous êtes recruté au titre d'une région, vous devez rester dans cette région pendant toute votre carrière. En 2012, le ministère est revenu, a pris un autre arrêté, assouplissant les conditions. Et la principale condition est que les recrutements régionaux continuent, mais une fois que l'enseignant a fait 6 ans dans une région, il a la possibilité de demander sa mutation dans une autre région. Cette étude va nous faire d'autres recommandations qui vont nous amener en tout cas à mieux cerner ce problème-là et à avoir des enseignants vraiment motivés et aptes vraiment pour le travail que nous demandons. Les acteurs du système éducatif venus des 13 régions du pays, les experts et les partenaires techniques et financiers sont à Ouagadougou pour prendre connaissance du contenu de la dite étude, apporter une analyse critique et faire des propositions constructives. Il s'agit de valider et donc cette étude-là, c'est-à-dire voir tout ce qui a été dit, surtout les recommandations, est-ce qu'elles sont pertinentes, est-ce qu'on peut les mettre en œuvre, c'est ce que les experts vont voir et se prononcer certainement.
Un tel apport permettra aux participants d'aboutir à un document consensuel, tout au plus un outil qui servira de guide dans la prise de décision en faveur du système éducatif burkinabé. L'Union fraternelle des croyants de Dori veut semer la graine de la paix pour une vie pacifique au sein des communautés au moment où la sous-région traverse de graves crises. Une caravane a été initiée dans ce but et qui regroupe une cinquantaine de jeunes de plusieurs localités du Burkina et issus de différentes confessions religieuses à l'image de l'UFC. La caravane traversera plusieurs villes du Burkina avant d'arriver à Sikasso au Mali, mais en passant par Niamey au Niger. Sur le départ de cette caravane, le compte-rendu de Yacouba Gemine et Nyarki Teda. L'Union fraternelle des croyants IFC de Douri apporte sa contribution pour la promotion de la tolérance et du dialogue, facteur essentiel pour la paix au sein des communautés dans l'espace sous-régional. C'est tout l'enjeu de cette caravane lancée ce jeudi 4 juillet à Douri, dans la région du Sahel, au profit de la jeunesse des différentes communautés religieuses et issues de plusieurs régions du Burkina. L'objectif visé, c'est partager notre expérience de dialogue de vie, dire aux gens, au monde entier, que loin de diviser, la différence peut enrichir. Donc voilà un peu la philosophie qui guide cette caravane-là que nous organisons aujourd'hui avec les jeunes de toute confession religieuse, des jeunes épris de paix. Cette caravane qui se déroule dans un contexte de crise et de guerre qui traverse la sous-région, elle a toute son importance, diront les responsables des confessions religieuses, l'évêque du diocèse de Douri, le grand imam de Douri et le pasteur Prosper Suleiman Ouedraogo. Ils ont été soutenus dans leurs propos par le haut commissaire de la province du Sénot pour qui la caravane des jeunes pour la paix est un signal fort pour sauvegarder la culture de la tolérance et du civisme. Et cette belle initiative est une activité qu'il faut pérenniser. Pérenniser parce qu'elle sème également l'esprit de paix et de tolérance. Toute chose qui garantira le développement dans notre sous-région et dans notre pays particulièrement. Pendant une dizaine de jours, ces jeunes iront dans 6 villes du Burkina Faso en passant par Niamey au Niger et Sikasso au Mali. Le message sera partout le même. La paix au sein des communautés, condition sine qua non pour un développement harmonieux du Burkina et une Afrique intégrée. Le Congrès pour la démocratie et le progrès sera dans la rue demain samedi 6 juillet pour une marche pour la paix et le renforcement de la démocratie. Et selon les responsables du parti, les messages porteront sur la solidarité et le dialogue républicain. Le secrétaire chargé de la communication du CDP parle du bien fondé de cette marche tout en dévoilant son itinéraire. Achille Marie-Joseph Tapsoba est au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. C'est une marche que nous avons jugée nécessaire, justement parce que le débat démocratique est très important, comme je l'ai dit, et il faut donc accorder aux uns aux autres les droits démocratiquement reconnus par la Constitution et ensemble aller vers la défense de la démocratie à travers le respect de la Constitution. Et nous pensons que c'est cela le ciment de la démocratie. C'est pour cette raison que notre marche intervient pour en fait rappeler à tous les citoyens et à tout le peuple burkinabé que la paix est très très chère et pour un pays comme le nôtre. Nous avons voulu simplifier l'itinéraire de la marche et qui va donc démarrer de la place de la Nation après le meeting et qui va donc se diriger vers le rond-point des Nations Unies à partir de l'avenue de la Nation. Donc nous allons rester en ligne droite de la place de la Nation au rond-point des Nations Unies et de l'Union des Nations Unies, après la remise du message à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, revenir à la place de la Nation où nous allons donc de là-bas nous séparer. Ce n'est pas une marche contre qui que ce soit, ce n'est pas une marche contre quoi que ce soit, c'est une marche pour la paix, rien que pour la paix, et rien que pour rappeler les principes de la paix au niveau du Burkina Faso, tout en reconnaissant la nécessité de poursuivre le débat républicain, de débat démocratique. Je vous invite à présent à faire un tour dans les hauts bassins pour prendre le pouls de la campagne agricole qui s'installe tant bien que mal. Premier constat, un peu de retard dans les semis comparativement à la saison dernière et cela à cause de la saison pluvieuse qui semble un peu plus capricieuse cette année. Mais des notes positives tout de même par endroits qui font dire que le niveau d'ensemble est acceptable. Le point pour nous avec Moumouni Barou.
En ce début de saison pluvieuse, la campagne agricole dans la région de Haut-Bassin connaît une installation tardive. Si les semis sont au stade de montaison dans certains endroits, force est de constater que dans d'autres localités, la situation est tout autre. Je pense qu'à l'heure actuelle, sur le plan pluviométrique, la situation est hétérogène sur l'ensemble de la région. Alors, nous avons des communes, surtout les communes qui sont situées au nord du Kénédougou, Kourouma, Norla, Morlaba et même Kayan. Nous avons aussi des communes où, en tout cas, la situation est similaire à celle de la campagne précédente, telles que Fonzan, Ondé, Péné, Toussena, Koloko. Dans l'ensemble, en tout cas, l'hétérogène est constaté, mais la situation, nous la qualifions de normale sur l'ensemble de la région. Dans un pays salien comme le Burkina, chaque campagne a sa particularité. Et effectivement, la campagne 2013-2014, le constat qu'on peut faire, qu'on ait une installation relativement difficile au point de vue pluviométrique. Et en effet, depuis le début du mois de juin, nous enregistrons un ralentissement de l'activité de la mousson. Mais jusqu'à présent, on enregistre autour de 70 mm à Houndé et 230 mm à Kologo. Ce sont les deux extrêmes. Et il faut remarquer que cette année, ce sont les semis à sec qui ont été le plus répandus compte tenu de l'insuffisance de la pluviométrie. Et corrélativement, le taux de levée est estimé aujourd'hui à 25% sur l'ensemble de la région. Avec la quantité d'eau enregistrée ces deux jours, les opérations de labour et de semis se déroulent partout et pour les producteurs, rien n'est perdu. Dans ces deux jours-là, on a eu quelques pluies. C'est bien vrai que ce n'est pas suffisant, mais au moins ça va, on a pu démarrer quand même. Voilà, sinon, à l'état passé, on était dans le besoin. Mais maintenant, bon, les travaux ont débuté. À part des poches de sécheresse, je pense que bon, le retard, on peut le rattraper facilement. Bon, en tout cas, saison, on a commencé saison là, ça part un peu. C'est le problème de pluie seulement qui nous dérange un peu. Sinon, il n'y a pas de problème. Bon, la pluie, en tout cas, on ne peut pas dire ça va passer. Dans la semaine, la pluie peut venir une fois seulement. Et puis, tu vois, donc, il y a beaucoup de dérangements. Comme je vous ai montré là, ici là, c'était le 5 juin. Bon, ici là, on a commencé ici dans mai. On a semé ça en mai. Voilà. Donc, mais tous ces problèmes de pluie, sinon, si pluie venait, normalement, en ce moment-là, ça c'était déjà parti. Au dire du directeur régional de l'agriculture et la sécurité alimentaire des Hauts-Bassins, la situation n'est pas alarmante et le retard peut être rattrapé si la pluviométrie venait à s'installer normalement. Mais une chose est sûre, les semences dites traditionnelles devraient être abandonnées au profit de celles améliorées pour augmenter les rendements. Nous encourageons les producteurs pour poursuivre les semis pour l'ensemble des cultures et sur l'ensemble de la région, parce que la période est toujours très favorable. Nous pouvons toujours poursuivre cette opération-là jusqu'au 15 juillet. Et surtout, nous recommandons l'utilisation de semences améliorées que nous avons mis à la disposition des producteurs, qui sont des semences qui sont adaptées à cette situation pluviométrique. Avec une production céréalière estimée à 704 000 tonnes la campagne écoulée, il est attendu cette année 1 136 000 tonnes de céréales dans la région de Haut-Bassin, soit une augmentation comprise entre 20 et 30%. Le département des ressources animales s'active pour une enquête nationale sur le cheptel. Techniciens et partenaires financiers ont été conviés à faire des suggestions pour améliorer les techniques de collecte de données sur le terrain. Des précisions avec Nyarki Teda. Compter pour mieux gérer, c'est l'objectif de ce projet d'enquête nationale sur le cheptel qui sera bientôt lancé par le ministère des Ressources animales et halieutiques. L'élevage a contribué à plus de 18% au PIB du Burkina Faso et procure au pays plus de 26% de ses recettes en exportation. Ces chiffres proviennent de la dernière enquête nationale qui remonte à 2003. La réalité du terrain a certainement évolué, d'où la nécessité de disposer des chiffres qui reflètent la réalité. Il y aura 4200 environ d'enquêteurs qui vont être répartis sur l'ensemble des 358 communes du Burkina. Il y aura également des contrôleurs qui vont contrôler ces enquêteurs-là. Et au niveau national, il y aura un groupe de travail qui sera là pour suivre les aspects techniques.
L'enquête concernera également les conditions de production, les espèces et la reproduction. Mais avant, les responsables du projet souhaitent avoir les avis et les suggestions des acteurs du monde de l'élevage et surtout des spécialistes des statistiques. Cet atelier d'information vise donc à impliquer tous les acteurs dans cette enquête en vue. C'est également l'occasion de présenter le projet aux partenaires financiers afin de susciter leur adhésion au processus. Au ministère de l'Eau, des Aménagements hydrauliques et de l'Assainissement, la journée a été consacrée à la programmation des activités prioritaires au titre de l'année 2013. Il s'agit de permettre au département de disposer d'un document complet de programmation des actions à mener pour la période 2014-2015 en lien avec les missions du ministère. Pélagie Savadogo. C'est une journée consacrée au réajustement et à la programmation des activités prioritaires du ministère de l'Eau, des Aménagements hydrauliques et de l'Assainissement. Une recommandation qui avait été formulée lors du premier CASEM le 16 mai dernier pour permettre au département de mieux planifier ses activités. À cette rencontre, il s'agit d'examiner et d'adopter la programmation des activités de l'année 2013, de la période 2014-2015 et de les ajuster aux ressources financières disponibles. Il va falloir que tous les cadres, tous les techniciens, que nous puissions vraiment redoubler d'efforts et je dirais même libérer notre génie pour vraiment améliorer cet accès à l'eau potable en milieu rural. Il y a aussi l'autre aspect non moins important de notre département à l'atteinte des objectifs du millénaire qui concerne l'assainissement. L'assainissement des eaux usées. Nous devons vraiment lutter pour atteindre un taux d'assainissement assez adéquat, que ce soit en milieu urbain qu'en milieu rural. Les échanges devront aboutir à la finalisation d'un document de programmation de l'ensemble des activités en conformité avec la lettre de mission et les attributions du ministère. Les grands objectifs de notre département, c'est de vraiment déconcentrer le ministère. Ça, c'est déjà fait. Maintenant, il faut arriver à opérationnaliser ces directions régionales-là, qui sont très jeunes. C'est vrai que ça existait. C'était couplé avec l'agriculture, mais maintenant c'est des directions autonomes. Il faut vraiment les opérationnaliser par le renforcement de leurs capacités. L'accroissement de l'accès à l'eau potable et de l'assainissement adéquat en milieu rural et urbain et la réhabilitation des barrages sinistrés sont entre autres les défis auxquels le département de Mamounata Belem compte relever pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Et le challenge en ce moment au département de la culture et du tourisme, c'est la qualité des prestations et la promotion de la destination Burkina Faso. La quatrième rencontre de l'administration et le secteur privé du tourisme burkinabé s'est tenue à Dori autour de ce défi. Mais avant, il faut des réponses aux difficultés que connaît le secteur et qui entravent le rayonnement du tourisme au Faso. Frédéric Étienne Bassenga a suivi la réunion pour nous. La qualité des prestations des restaurants et hôtels et la promotion de la destination Burkina Faso mise en question à Dori. Réunis autour du ministre Baba Hamar et ses collaborateurs, les acteurs du tourisme burkinabé vont se pencher sur les difficultés du secteur à cette quatrième rencontre annuelle administration secteur privé du tourisme. S'il est vrai que la destination Burkina Faso a connu une hausse de 11% et a permis d'injecter plus de 70 milliards dans l'économie nationale en 2012, il n'en demeure pas moins que beaucoup reste à faire, notamment dans la qualité des services. L'image ou le souvenir qu'un touriste emporte chez lui repose bien souvent sur l'accueil et la qualité des services dont il a pu bénéficier durant son séjour dans un pays. C'est dire que la qualité des prestations de services dans le secteur touristique constitue une priorité pour le gouvernement et un moyen d'atteindre les objectifs de la SCAR. Les professionnels du secteur, eux, ont déjà une idée de ce qu'il faudra améliorer pour booster le tourisme burkinabé. En plus de donner un statut clair au secteur, l'État devra se pencher sur un certain nombre de points essentiels pour eux. L'on peut citer la réduction de la TVA au même taux que celui appliqué dans la plupart des pays de l'espace UMOA. La cession de la TDC aux hôteliers pour leur activité de promotion du tourisme. La rétrocession des réceptifs étatiques au privé. Il s'agit notamment de ceux de Komtienga, de Gorongorong et d'autres pour lesquels il est attendu des actions vigoureuses. Acteurs du tourisme et administration ont donc 2 jours pour trouver les réponses concrètes à ces préoccupations.
Mais avant, ce séjour de Dori a été mis à profit par Baba Ama pour visiter les infrastructures hôtelières de cette localité et la salle de spectacle en construction dans le cadre des festivités du 11 décembre prochain. Longtemps annoncé, le statut de l'artiste au Burkina est sur le point de prendre forme. Une étape importante vient d'être franchie avec le décret portant statut de l'artiste qui a été pris par le gouvernement. C'est un document de 6 pages qui présente l'ensemble des droits et obligations attachés à l'artiste. Suivons Évariste Combari pour en savoir davantage. Le statut de l'artiste au Burkina est le fruit d'un long processus qui a débuté il y a de cela plusieurs ans. Depuis 2001, il y a eu des tentatives pour élaborer, dans un premier temps, une loi portant statut de l'artiste. Bon, pour des raisons techniques, ça n'a pas pu aboutir. Et le processus est reparti depuis 2009 et qui a abouti en fin de l'année dernière, 2012, à l'adoption de ce décret. Il faut dire tout simplement que nous avons travaillé depuis, moi personnellement, j'ai travaillé dessus depuis 2005, au temps du cycle, à la clôture du cycle, où nous avons... Il y avait des paramètres dessus qu'on devait quand même éplucher et puis mettre, clarifier tout ça. Il faut entendre par statut de l'artiste l'ensemble des droits et obligations attachés à la qualité d'artiste. Le document lui-même compte 6 pages, 4 chapitres et 20 articles. Il prend en compte plusieurs paramètres, dont le champ d'application, le statut et la qualité à proprement parler de l'artiste, ainsi que le régime social de l'artiste. On retiendra qu'est artiste toute personne qui crée ou participe par son interprétation à la création ou à la récréation d'œuvres de l'esprit et qui considère sa création artistique comme un élément essentiel de sa vie. Le chapitre 2, qui traite de la qualité d'artiste professionnel, distingue d'une part l'artiste professionnel salarié et d'autre part l'artiste professionnel indépendant, non sans avoir au préalable dit clairement qui est artiste professionnel. Et artiste professionnel, toute personne qui fait de l'activité artistique sa profession habituelle et en tire sa principale source de revenus. Donc voici ce que c'est que l'artiste professionnel. Le statut de l'artiste reconnaît à l'artiste des droits comme le droit syndical, le droit à la sécurité sociale, mais aussi des devoirs liés aux obligations fiscales. Le statut prévoit à son article 17 la création du Sénat, entendez par là la Commission nationale des arts. Et donc cette commission aussi va donner des avis pour, on va dire, la délivrance des cartes professionnelles. Parce que comme vous l'avez dit, il est prévu que les artistes professionnels puissent avoir des cartes professionnelles, comme dans d'autres professions. Mais la délivrance de cette carte professionnelle va être... soumise à l'avis de la Commission nationale des arts. Alors que la machine est mise en route pour faire du statut de l'artiste une réalité, certains artistes ignorent l'existence du décret quand ils ne sont pas dubitatifs. Maintenant, c'est l'application qui est moi mon inquiétude. Parce qu'on connaît dans ce pays comment les choses se passent. On a toujours décidé des choses, mais à la fin, rien ne suit. Au ministère de la Culture et du Tourisme, on rassure que le processus se poursuivra jusqu'à son terme. On annonce la tenue prochaine d'une rencontre d'information et de communication autour du statut de l'artiste au Burkina Faso. Et de 5 pour la romancière burkinabé Adissa Sanusi, elle vient de publier un roman intitulé « Ciel dégagé sur Ouaga ». Il s'agit d'une chronique du 1er septembre 2009 à Ouagadougou, un récit imagé des dégâts de cette pluie exceptionnelle qui est tombée sur la capitale burkinabé ce jour fatidique et qui n'a épargné personne. Fousseni Kindo a suivi la dédicace de l'ouvrage pour nous. Une chronique du 1er septembre 2009 à Ouagadougou. Le dernier roman de Adissa Sanusi allie fiction et réalité à travers des témoignages sur la catastrophe du 1er septembre 2009 qui a plongé la capitale burkinabé dans les eaux tumultueuses d'une pluie diluvienne. Le déluge y est présenté comme un imprévu du destin, mais c'est surtout le courage et la solidarité dont ont fait preuve les habitants qui est le plus remarquable dans le livre. Ciel dégagé sur Ouaga est donc un roman atypique. En réalité, l'eau est l'acteur principal.
La pluie torrentielle impose la chorégraphie d'ensemble de l'œuvre, tandis que les flots entraînent le lecteur dans l'univers de la promiscuité citadine. Dans cette pauvreté ambiante, l'œuvre révèle aussi l'attachement des hommes aux objets dérisoires mais précieux, à leurs yeux comme étant des instruments de survie face au déluge. Au-delà de la fiction, le roman de Addis Assanoussi apparaît pour le lecteur comme un reportage qui fait voir les réalités de populations qui baignaient déjà dans la pauvreté, mais qui font face à l'épreuve et cultivent une psychologie toute nouvelle. De quoi perturber un ancien maire de la capitale burkinabé. Le 1er septembre 2009 était un événement exceptionnel, jamais vécu par les gens de notre génération. Et lorsqu'on parle du 1er septembre 2009, moi je tremble de tout mon corps. Et je voulais féliciter la Madame Sanoussi qui a eu le courage d'écrire noir sur blanc à travers un roman les faits qui se sont déroulés lors des événements du 1er septembre 2009. Après le succès de ses deux premiers romans, Les deux maris et devoirs de cuissage, Addis Assanoussi s'adapte au sillon des changements climatiques dans ce nouveau roman pour nous proposer un opus de 9 parties, septembre étant le 9e mois de l'année. Le roman me donne la liberté, quelque part aussi, d'exprimer ce que moi-même j'ai ressenti ce jour-là et de, d'une certaine façon, ressortir les pensées profondes de ces sinistrés-là qui n'ont pas toujours le courage de dire les choses telles qu'ils les ont vécues. Addis Assanoussi est géographe de formation et prépare un master en sciences de l'information et de la communication. Elle travaille actuellement au ministère des Enseignements secondaires et supérieurs. Hors de chez nous, en Égypte, au lendemain de la destitution du président démocratiquement élu, les différentes puissances à l'international déplorent l'échec de la démocratie dans ce pays. L'Union africaine, elle, a suspendu l'Égypte de ses instances. On mesure les propos pour ne pas parler de coup d'État. Voilà pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes sur la télévision de Burkina.